commencer les opérations dès 7h30 ce matin. Vu qu'hier, on n'a pas pu aller sur le terrain, c'était trop dangereux, on n'avait aucune visibilité. On a privilégié une recherche RECO parce qu'il y a une des trois personnes qui est équipée de réflecteurs. Et on a trois chiens qui ont été mis sur le terrain. Le problème, c'est qu'on a une coulée qu'on va prioriser. On n'est pas sûr que ce soit la bonne coulée, on n'a pas d'indice de surface, il y a plusieurs coulées sur la station. Donc on a tout ce dispositif mis en œuvre sur une zone où il y a des grosses accumulations de neige qui peuvent aller jusqu'à 3 mètres. Et un dispositif qu'on essaye d'alléger au maximum et le plus rapide possible, parce qu'au-dessus il y a encore beaucoup de pentes qui sont instables. Et nous, le principe c'est aussi d'éviter le suraccident pour ne pas mettre en péril la vie des sauveteurs qui sont dessous.